demain, vol Family Airbus avec le 320neo, le 330-200, le 350-900 et l'A380. On est accompagné par la Corvette qui fait le travail de film et de photo. Là, on change en diamant, donc le 350 passe à droite. Ouais. Et les pilotes vont se trouver à peu de choses près, à 60 à 80 mètres les uns des autres. Donc l'éclatement, hein, c'est un peu la phase critique. Hein. Les deux ailiers, ils affichent 10 degrés d'assiette, ouais. Plein manche latérale. Tous les pilotes qui vont voler sur ce vol sont des pilotes d'essai d'Airbus, bien sûr. Ce sont tous d'anciens pilotes de chasse. On a des Français, mais des Anglais, des Allemands, des Espagnols. C'est quatre cultures différentes, mais tout ça, ça travaille très bien ensemble et ça constitue un engrenage qui est bien huilé. And then, break, 3, 2, 1, now. The now is the start of the break. Airbus family, we enter and backtrack 3, 2, left from Sierra A to Sierra 4. Rotation. Corvette position. Corvette, we are below at your 6 o'clock and turning left, going to your left side. In the Corvette, they were telling us where to move to make the formation look right. So they were saying, well, okay, the 350 needs to come back 5 meters. The 330 needs to move out a bit until they got the formation looking correct. So Toulouse SC, Airbus family is ready to turn. L'avion leader, c'est lui qui coordonne tous les mouvements avec l'extérieur et à l'intérieur de la patrouille. La sécurité est assurée tout le temps. Hemos cambiado mucho diferentes posiciones, desde un echelon, o sea, los cuatro aviones en línea, hasta al final una formación de diamante en la que estamos los cuatro aviones en una especie de rombo, en la una pasada por encima de la pista en esa formación, y finalmente una rotura de los cuatro aviones. Enger Formationsflug erfordert sehr viel Konzentration, dauerhaft, ständig. Insofern ist es anstrengend, aber es ist auch eine sehr schöne Art fliegerischer Tätigkeit für uns alle.